Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, je vous remercie de m'accueillir parmi vous. Je suis certes aujourd'hui, dans ce moment inaugural, d'abord conscient de la responsabilité qui m'incombe avec la décision que vous avez prise d'ouvrir davantage vos enseignements au plus vif des problèmes de la cité contemporaine. Mais je suis surtout sensible à la formidable chance qui m'est ainsi donnée. Chance à ce que j'espère être le mi-parcours de mon travail, de pouvoir insuffler un nouvel élan à mes recherches en les inscrivant dorénavant dans un lieu intellectuel unique par sa radicale liberté, soustrait que l'on y est aux injonctions de quelque programme que ce soit, dégagé de tout souci de décerner des grades et des diplômes, dispensé d'exhiber ses papiers aux habituelles frontières disciplinaires. Cette occasion d'un départ à neuf ne saurait donc avoir pour moi l'aspect ambigu et mélancolique de bilan que revêt inévitablement ce qu'on appelle un honneur académique, destiné qu'il est trop souvent à manifester qu'une œuvre est jugée pour l'essentiel accomplie. Je ferai pour cela volontiers mien les mots de Roland Barthes, je le cite. « Mon entrée au Collège de France est une joie plus qu'un honneur. » Car l'honneur peut être immérité, la joie ne l'est jamais. Cette joie, elle est avec évidence pour moi de pouvoir parler une recherche au moment même où elle s'élabore. Joie d'une épreuve mobilisatrice, d'une contrainte positive. Ma reconnaissance se tourne tout particulièrement vers Marc Fumaroli, qui vous a présenté ce projet de chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique. C'est d'abord à l'étendue de ses centres d'intérêt et à son éloquente force de conviction que je dois d'être parmi vous ce soir. Je tiens aussi, mesdames, messieurs, chers amis, à associer sans plus tarder à ces remerciements celui qui n'est pas là ce soir pour m'écouter, François Furet. Il m'a en effet aidé à accomplir le saut décisif au début des années 1980 en m'accueillant à l'École des hautes études. Alors que, jeune docteur, je me trouvais encore entre deux mondes, en marge de l'université, dans une position intellectuelle de franc-tireur et dans une situation quelque peu précaire. Il m'a alors permis de donner une certaine unité à ma vie et de réaliser ce à quoi tout homme ou toute femme aspire, faire de sa passion un métier. C'est auprès de lui et auprès de Claude Lefort, l'un historien et l'autre philosophe, que j'ai appris à travailler à l'écart des routines académiques comme des modes intellectuels. Ils ont tous les deux été pour moi des maîtres et indissociablement des amis et des compagnons de travail. Les membres du centre Raymond Aron, avec lesquels nous avons entrepris depuis près de 20 ans de rénover l'étude longtemps assoupie du politique, savent aussi ce que je dois à chacun d'eux. Je suis heureux que cette petite communauté d'historiens, de sociologues et de philosophes voient d'une certaine façon l'originalité de son travail reconnue à travers le mien. Histoire moderne et contemporaine du politique. L'étude du politique a déjà, à plusieurs reprises, trouvé sa place de façon latérale au collège, sous des intitulés certes plus obliques. Il faut naturellement ici faire une mention particulière d'André Siegfried, l'auteur du tableau politique de la France de l'Ouest qui, titulaire d'une chaire de géographie économique et politique, fut l'un des pionniers des analyses électorales dans ce pays. La question du pouvoir et de sa genèse ont par ailleurs été au centre d'enseignement qui relevait de la sociologie ou de la philosophie, que l'on songe seulement aux travaux de Raymond Aron ou de Michel Foucault, qui ont l'un et l'autre, bien que de façon fort différente, tant compté pour ma génération. On sait aussi le rôle décisif qu'a joué plus récemment Maurice Agulon dans l'étude des mentalités et des cultures politiques du XIXe siècle français. Cette nouvelle chaire s'inscrit dans cette histoire, même si ses antécédents immédiats
ne constitue pas, à proprement parler, une généalogie. Mais c'est aussi de certains enseignements donnés ici au XIXe siècle que peut être rapproché l'esprit, sinon le contenu, de la présente chaire. Je pense notamment au souci de Michelet d'éclairer les vicissitudes du présent en retraçant la genèse de l'État et de la nation en France. Je dois aussi bien sûr faire référence à Renan. Ce dernier avait en effet également le souci de réfléchir à l'orientation à long terme de la cité en l'éclairant et en interpellant son temps sur ses aveuglements et ses facilités. La visée de mon entreprise n'est pas très éloignée, à mains égards, de cette philosophie de l'histoire contemporaine qu'il appelait de ses voeux. Edgar Quinet, enfin, lui aussi entre au collège en 1841, chargé d'un enseignement de tradition. Mais les cours de cet ardent républicain s'aventurent très vite sur des terres plus exposées, puisqu'il traite successivement des jésuites, de concert avec Michelet, de l'ultramontanisme, puis des rapports du christianisme avec la Révolution française. Je me retrouve d'ailleurs très bien dans une des formules célèbres de l'auteur de la Révolution, je le cite. « La démocratie française a perdu ses bagages, il faut qu'elle se refasse tout son bagage d'idées. » Ce programme de Quinet, je l'adopte en effet volontiers. Et je me sens proche de son souci d'aider à fonder l'avenir en enracinant l'intelligence du présent dans la compréhension des malheurs du passé. Avec cette différence, appréciable, que la question ne saurait dorénavant avoir de sens qu'élargie à un cadre comparatif plus vaste. Ce n'est pas la première fois, stricto sensu, que le terme de politique figure dans le titre d'une chaire au collège. Mais l'objet politique, moderne et contemporain, est maintenant bien considéré en tant que tel et mis au centre d'un enseignement. Tout en s'inscrivant dans les continuités que nous venons de mentionner, le projet d'une histoire du politique présente à ce seul titre une originalité. Il convient de la préciser en s'attachant à la définition même de son objet. Le politique, tel que je l'entends, correspond à la fois à un champ et à un travail. Comme champ, il désigne le lieu où se nouent les multiples fils de la vie des femmes et des hommes, celui qui donne son cadre d'ensemble à leurs discours et à leurs actions. Il renvoie au fait de l'existence d'une société qui apparaît aux yeux de ses membres comme formant un tout qui fait sens. En tant que travail, le politique qualifie le processus par lequel un groupement humain, qui ne compose en lui-même qu'une simple population, prend progressivement le visage d'une vraie communauté. Il est de la sorte constitué par le processus, toujours litigieux, d'élaboration des règles explicites ou implicites, du participable et du partageable qui donne forme à la vie de la cité. On ne peut appréhender le monde sans faire place à cet ordre synthétique du politique, sauf à adopter un point de vue fâcheusement réducteur. Un ou deux exemples suffisent à nous en persuader. Pour comprendre la spécificité d'un phénomène comme celui du nazisme, on voit bien qu'il ne suffit pas de disséquer les différentes tensions et les multiples blocages de l'Allemagne des années 1930, sauf à le banaliser paradoxalement sous les espèces d'une simple réponse exacerbée à la crise du régime de Weimar. Le fond du nazisme, comme tentative pathologique de faire advenir un peuple un et homogène, n'est intelligible que s'il est rapporté aux conditions de la resymbolisation et de la recomposition perverse de cet ordre global du politique auquel il s'est employé. Pour prendre un exemple qui est dans l'actualité immédiate, la crise que traverse actuellement un pays comme l'Argentine ne peut pas simplement être interprétée à partir des facteurs économiques et financiers qui en sont la cause immédiate. Elle ne prend sens que si elle est resituée dans l'histoire longue d'un déclin lié à la difficulté récurrente de faire exister une nation fondée sur la reconnaissance d'obligations partagées. C'est donc bien à un niveau que l'on peut qualifier de globalisant qu'il convient de saisir les choses pour éclairer utilement nombre des lancinantes questions contemporaines. Qu'il s'agisse de penser les formes à venir de l'Europe, d'analyser les transformations de la démocratie à l'âge de la mondialisation, d'appréhender le destin de la forme nation, de saisir les mutations d'État-providence,
d'évaluer les conditions de la prise en compte du long terme dans des sociétés soumises à la dictature du présent, c'est toujours à cette question clé du politique que reviennent nos perplexités et nos inquiétudes d'aujourd'hui. En parlant substantivement du politique, je qualifie ainsi tant une modalité d'existence de la vie commune qu'une forme d'action, de l'action collective, qui se distingue implicitement de l'exercice de la politique. Se référer au politique et non à la politique, c'est parler du pouvoir et de la loi, de l'État et de la nation, de l'égalité et de la justice, de l'identité et de la différence, de la citoyenneté et de la civilité. Bref, de tout ce qui constitue une cité, au-delà du champ immédiat de la compétition partisane pour l'exercice du pouvoir, de l'action gouvernementale au jour le jour et de la vie ordinaire des institutions. Cette question, elle prend tout son relief dans les sociétés démocratiques, c'est-à-dire dans celles où les conditions de vivre ensemble ne sont pas définies a priori, fixées par une tradition ou imposées par une autorité. La démocratie constitue en effet le politique en un champ largement ouvert du fait même des tensions et des incertitudes qui la sous-tendent. Si elle apparaît depuis 2 siècles comme l'incontournable principe organisateur de tout ordre politique moderne, l'impératif que traduit cette évidence en effet toujours été aussi ardent qu'imprécis. Parce qu'elle est fondatrice d'une expérience de liberté, la démocratie n'a cessé de constituer une solution problématique pour constituer une cité d'hommes libres. En elle se lie depuis longtemps le rêve du bien et la réalité du flou. Cette coexistence a ceci de particulier qu'elle ne tient pas principalement au fait qu'elle serait un idéal lointain sur lequel tout le monde s'accorderait, les divergences sur sa définition renvoyant à l'ordre des moyens à employer pour la réaliser. L'histoire de la démocratie n'est pas simplement pour cela celle d'une expérience contrariée ou d'une utopie trahie. Bien loin de correspondre à une simple incertitude sur les voies de sa mise en œuvre, le sens flottant de la démocratie participe plus fondamentalement de son essence. Il évoque un type de régime qui n'a cessé de résister à une catégorisation indiscutable. C'est de là que procède d'ailleurs la particularité du malaise qui sous-tend son histoire. Le cortège des déceptions et le sentiment des trahisons qui l'ont toujours accompagné ont été d'autant plus vifs que n'a cessé d'être inaccompli sa définition. Un tel flottement constitue le ressort d'une quête et d'une insatisfaction qui peinent du coup à s'expliciter. Il faut partir de ce fait pour comprendre la démocratie. En elle s'enchevêtrent l'histoire d'un désenchantement et l'histoire d'une indétermination. Cette indétermination s'enracine dans un système complexe d'équivoques et de tensions qui structure dès son origine la modernité politique, comme le montre l'étude des révolutions anglaises, américaines et françaises. Équivoque tout d'abord sur le sujet même de cette démocratie, car le peuple n'existe qu'à travers des représentations approximatives et successives de lui-même. Le peuple est un maître indissociablement impérieux et insaisissable. Il est un « nous » ou un « on » dont la figuration reste toujours litigieuse. Sa définition constitue un problème en même temps qu'un enjeu. Tension, en second lieu, du nombre et de la raison, de la science et de l'opinion, puisque le régime moderne institue à travers le suffrage universel l'égalité politique, en même temps qu'il appelle de ses voeux l'avènement d'un pouvoir rationnel dont l'objectivité implique la dépersonnalisation. Incertitude, en troisième lieu, sur les formes adéquates du pouvoir social, la souveraineté du peuple peinant à s'exprimer dans des institutions représentatives qui ne conduisent pas à la remettre en cause d'une manière ou d'une autre. Dualité, enfin, de l'idée moderne d'émancipation, qui renvoie à un désir d'autonomie des individus, avec le droit comme vecteur privilégié,
en même temps qu'un projet de participation à l'exercice de la puissance sociale, qui met donc la politique au poste de commandement. Dualité qui est celle de la liberté et de la puissance, ou du libéralisme et de la démocratie, pour dire les choses autrement. Cette conception du politique conduit à faire d'une approche historique la condition de sa pleine saisie. On ne peut en effet appréhender le politique tel que je viens de le définir qu'en restituant de façon sensible leur épaisseur et leur densité aux contradictions et aux ambiguïtés qui le sous-tendent. Mon ambition est ainsi de penser la démocratie en reprenant le fil de son histoire. Mais il est tout de suite nécessaire de préciser qu'il ne s'agit pas simplement de dire que la démocratie a évidemment une histoire. Il faut considérer plus radicalement que la démocratie est une histoire, car elle est indissociable d'un travail d'exploration, elle est indissociable d'un travail de compréhension d'elle-même. Le but est donc de refaire la généalogie longue des questions politiques contemporaines pour les rendre pleinement intelligibles. L'histoire ne consiste pas simplement là à apprécier le poids des héritages, à éclairer platement le présent par le passé. Elle vise à faire revivre la succession des présents comme autant d'expériences qui informent la nôtre. Il s'agit de reconstruire la façon dont des individus et des groupes ont élaboré leur intelligence des situations, de repérer les récusations et les attractions à partir desquelles ils ont formulé leurs objectifs, de retracer, en quelque sorte, la manière dont leur vision du monde a borné et organisé le champ de leur action. L'objet de cette histoire, pour dire encore les choses autrement, est de suivre le fil des expériences, des conflits et des controverses à travers lesquelles la cité a cherché à prendre forme légitime. L'histoire ainsi conçue est le laboratoire en activité de notre présent et non pas simplement l'éclairage de son arrière-fond. L'attention aux problèmes contemporains les plus brûlants et les plus pressants ne saurait se dissocier, pour cette raison, d'une méticuleuse reconstruction de leur genèse. Partir d'une question contemporaine pour en retracer la généalogie avant d'y faire retour au terme de l'enquête, riche des enseignements du passé, telle doit être la méthode développée pour donner la profondeur indispensable aux analyses du politique. Cela revient à envisager une histoire que l'on pourrait qualifier de compréhensive. Intellection du passé et interrogation sur le présent participent dans son cadre d'une même démarche. Elle met à jour les résonances entre notre expérience du politique et celle des hommes et des femmes qui nous ont précédés, donnant de cette manière son sens le plus fort à la formule fameuse de Marc Bloch, « L'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé ». C'est pour cela une histoire qui a pour fonction de restituer des problèmes plus que de décrire des modèles. L'histoire du politique, envisagée dans cet esprit, se distingue donc au premier chef par son objet même de l'histoire de la politique proprement dite. Cette dernière, outre la restitution du cadre chronologique des événements, analyse le fonctionnement des institutions, décortique les mécanismes de la prise de la décision publique, interprète les résultats des élections, met à jour la raison des acteurs et le système de leur interaction, décrit les rites et les symboles qui rythment la vie. L'histoire du politique intègre bien sûr ces différents apports, avec ce qu'elle peut charrier de batailles subalternes, de rivalités de personnes, de confusion intellectuelle ou de calculs à courte vue. L'activité politique stricto sensu est en effet à la fois ce qui rétrécit et ce qui permet pratiquement d'accomplir le politique. Elle est indissociablement un écran et un moyen. Les délibérations rationnelles et les réflexions philosophiques élevées ne sont pas dissociables des passions et des intérêts. Le majestueux théâtre de la volonté générale reste traversé en permanence par des scènes empruntées
aux comédies plus quotidiennes du pouvoir. Aussi, n'est-ce pas en nous réfugiant dans le ciel supposé apaisé des idées que nous pourrons vraiment comprendre les ressorts et les difficultés de l'institution de la cité. Ils ne peuvent être appréhendés que dans l'examen des contingences ordinaires, toujours enveloppés qu'ils sont dans la gangue des événements. Cela doit être clairement dit. Mais il faut en même temps souligner avec force qu'on ne saurait en rester là pour percer l'énigme du politique. On ne saurait, par exemple, comprendre l'instabilité structurelle d'un régime en se contentant de faire le récit des crises ministérielles qui peuvent se dérouler sur le devant de sa scène. D'une façon plus générale, on peut d'ailleurs considérer que l'histoire du politique telle que j'essaie de la pratiquer se nourrit de l'apport des différentes sciences sociales et qu'elle vise même à unifier leur démarche, mais qu'elle explore en même temps, avec une attention particulière, un ensemble de faits et de problèmes qui se situent dans ce qu'on pourrait appeler leur angle mort. Pour le faire comprendre et ne pas en rester à de trop abstraites considérations de méthode, il peut être utile de montrer, à partir de quelques exemples, en quoi cette approche propose une contribution à l'intelligence de nos sociétés qui se distingue des apports de l'histoire sociale, de la sociologie et de la théorie politique, comme de l'histoire des idées. L'histoire sociale, d'abord, elle met l'accent sur l'interprétation des conflits de pouvoir et des oppositions d'intérêts. Elle fournit ainsi une grille explicative qui fait le lien entre des positions et des comportements dans le champ proprement politique, celui des élections ou des positions partisanes par exemple, et les variables culturelles, économiques ou sociales qui caractérisent différents groupes. Le problème est que cette approche ne rend compte que d'une partie de la réalité. Prenons l'exemple de la conquête du suffrage universel. Une histoire sociale retracera le conflit entre les impatiences du peuple et les peurs des élites. Elle décrira les stratégies des forces en présence. Et on pourra effectivement analyser dans ces termes le mouvement pour la réforme électorale qui polarise par exemple à plusieurs reprises la tension pendant la monarchie de juillet. Mais l'interprétation n'est que partielle. Elle rend ainsi mal compte de la position des ultras, puis des légitimistes, qui s'érigent alors en champions de la souveraineté du peuple. Elle n'explique pas non plus le flottement de toute une partie du camp républicain, qui est perceptible à travers la défense que certains d'entre eux font du suffrage à 2 degrés, ou même l'hésitation permanente à employer le terme de suffrage universel. La mise en avant du mot d'ordre de réforme électorale traduisant pour beaucoup une incertitude sur le but même à atteindre, et non pas simplement une prudence tactique. L'histoire, dans ce cas, n'est donc pas simplement traversée par un conflit entre le haut et le bas de la société. Elle est également structurée par une tension sous-jacente à la notion même de suffrage politique. Tension entre le suffrage comme symbole de l'inclusion sociale, sacre de l'égalité citoyenne, et qui donc appelle pour cette raison impérativement son universalisation, et le suffrage comme expression du pouvoir social, forme du gouvernement de la société, et qui, cette fois, invite à poser les rapports du nombre et de la raison, du droit et de la capacité. C'est cette dernière histoire que l'on peut qualifier d'interne qu'il s'agit aussi de retracer. La sociologie se propose de son côté de désenchanter la politique, de rendre manifeste les mécanismes sociaux réels qui structurent son champ, à distance des doctrines proclamées, des discours des acteurs et du fonctionnement affiché des institutions. Au début du XXe siècle, quelques œuvres pionnières traceront le cadre de la discipline. Roberto Michels développera le premier un exposé minutieux des conditions dans lesquelles un pouvoir oligarchique se met mécaniquement en place dans les institutions démocratiques. Moïsei Ostrogorski, dans un autre ouvrage fondateur, montrera de son côté comment l'avènement et l'extension des partis politiques conduit à transformer pratiquement de fond en comble le sens du gouvernement représentatif. L'œuvre de Max Weber et bien d'autres encore pourraient être évoquées s'il fallait retracer la formation de cette discipline. Personne ne songerait à contester sa fécondité scientifique et sa portée citoyenne. Les quelques pessimistes publics, l'expression est de Michels que nous venons de citer, ayant été de fort utiles professeurs de lucidité.
mais cette approche laisse elle aussi échapper quelque chose. Prenons par exemple l'analyse du fonctionnement réel du gouvernement représentatif qui est au centre de la plupart de ses œuvres. La sociologie politique va bien, selon un de ses termes favoris, dévoiler les modes de confiscation du pouvoir, les formes de manipulation qui se développent à l'ombre du mécanisme représentatif, mais elle ne s'attache pas à comprendre ce qui constitue en quelque sorte le cœur du problème de la représentation moderne, à savoir la difficulté de figuration de la démocratie. En sacralisant la volonté contre l'ordre de la nature ou de l'histoire, la politique moderne confie en effet au peuple le pouvoir au moment où le projet d'émancipation qu'elle véhicule conduit parallèlement à abstractiser le social. Le développement des conventions et des fictions juridiques est ainsi lié au souci d'assurer une égalité de traitement et d'instituer un espace commun entre des hommes et des femmes forts différents. L'abstraction est en ce sens une condition de l'intégration sociale dans un monde d'individus, alors que dans les sociétés traditionnelles, ce sont au contraire les différences concrètes qui sont un facteur d'insertion. L'ordre hiérarchique ayant pour principe d'assembler des particularités comme des complémentarités. La démocratie s'inscrit de la sorte doublement dans un régime de la fiction. Sociologiquement d'abord, en reformant symboliquement un corps artificiel de peuple, mais techniquement aussi, car le développement d'un état de droit présuppose de généraliser le social, de l'abstractiser si l'on veut, afin de le rendre gouvernable par des règles universelles. Si ce formalisme constitue ainsi un principe positif de construction sociale dans la démocratie, il rend simultanément plus incertaine la constitution d'un peuple sensible. Il y a du même coup une contradiction qui s'installe entre le principe politique de la démocratie et son principe sociologique. Le principe politique consacre la puissance d'un sujet collectif dont le principe sociologique tend à dissoudre la consistance et à réduire la visibilité. C'est du point de vue de cette autre contradiction interne que l'histoire du politique, telle que je l'envisage, aborde la question du gouvernement représentatif. Elle étudie par exemple aussi l'histoire des techniques électorales, mais comme une succession de tentatives pour donner une réponse à ce déficit originaire de figuration. Il me faut souligner en troisième lieu en quoi mon projet diffère de celui de la théorie politique, telle qu'elle est du moins actuellement comprise de façon dominante. Les œuvres de Rawls et d'Habermas, qui ont donné dans les années 1970 et 1980 une nouvelle centralité à cette approche, peuvent être invoquées ici pour faire commodément référence. Leur caractéristique est d'être essentiellement normative. Elles disent en quoi devrait consister une délibération rationnelle, ce qu'il faudrait entendre par souveraineté du peuple, ce que pourrait être les critères universellement admissibles de la justice ou ceux sur lesquels devrait reposer la légitimité des règles juridiques. Nous savons tous le rôle salutaire que ces œuvres ont joué en remettant à l'ordre du jour des questions que les sciences sociales n'avaient plus jugé utile d'aborder. Elles ont ainsi constitué le cœur d'un indéniable renouveau, conduisant parfois pour cette raison à parler dans les années 1970 d'un retour du politique. Mais ces entreprises intellectuelles ont-elles aussi manqué d'une certaine façon l'essence aporétique du politique ? En témoigne le fait que leur visée essentiellement procédurale les ait principalement ramenées du côté du droit et de la morale. On voit bien, chez les auteurs que nous venons de citer, comment le déploiement d'une vision rationalisatrice de l'établissement du contrat social les conduit à formaliser la réalité. Celui qui, chez Rawls, décide sous voile d'ignorance, adopte ainsi un point de vue d'autant plus universel, rationnel, qu'il dispose de peu d'informations sur les données du monde réel. La raison ne s'affirme dans ce cadre qu'à proportion de l'abstraction, de la distance prise avec les bruits et les fureurs du monde. Partir de la complexité du réel et de sa dimension aporétique conduit au contraire à s'intéresser à la chose même du politique. Il faut ainsi considérer au premier chef le caractère problématique du régime moderne pour en saisir le mouvement, et non pas chercher à dissiper son énigme par une imposition de normativité, comme si une science pure du droit ou du langage
pouvait indiquer aux hommes la solution raisonnable à laquelle ils n'auraient plus qu'à se conformer. C'est donc aussi faire fausse route que de tenter d'exorciser par un exercice typologique la complexité mouvante de la quête démocratique. Le propos n'est pas non plus seulement d'opposer banalement l'univers des pratiques à celui des normes. Il est de partir des antinomies constitutives du politique, antinomies dont le caractère ne se révèle que dans le déploiement historique. Si l'on prend l'exemple de la justice sociale, il s'agira de montrer à travers une histoire de l'État-providence comment ont pratiquement évolué les perceptions d'une redistribution considérée comme légitime et quels ont été les déterminants de ces perceptions. Il faudra ainsi partir de la contradiction qui forme la matrice du problème. D'un côté, le principe de citoyenneté impose la reconnaissance d'une dette sociale objective, tandis que de l'autre, les principes d'autonomie et de responsabilité personnelle conduisent à apprécier des comportements subjectifs individuels. C'est l'histoire seule, encore une fois, qui peut conduire au concept dans ce cas. L'histoire est bien pour cela la matière et la forme nécessaire d'une pensée totale du politique. Les concepts politiques ne peuvent être compris que dans le travail historique de leur mise à l'épreuve et de leur tentative d'élucidation. Je me sens proche, en cette mesure, du projet de phénoménologie empirique récemment évoqué ici même par Anne Fagot-Largeau. C'est enfin, quatrièmement, à forte distance de l'histoire des idées et des doctrines que se situe cette histoire du politique. Les deux histoires, certes, s'intéressent aux mêmes ouvrages marquants, mais ces œuvres ne sont plus appréhendées en elles-mêmes comme de simples théories autonomes, imposantes carcasses de navires échouées sur les rives du passé. Elles sont analysées comme des éléments d'un imaginaire social plus global. Elles constituent en quelque sorte des buts témoins qu'il faut retracer dans un cadre général de déchiffrement et d'exploration. Les représentations et les idées constituent dans cette perspective une matière structurante de l'expérience sociale. Loin d'être appréhendées de façon autonome dans d'étroites généalogies, considérées dans le cercle fermé de leur rapprochement ou de leurs éloignements, ces représentations constituent de réelles et puissantes infrastructures dans la vie des sociétés. À distance d'une vision désincarnée qui s'affranchirait de la prise en compte des forces qui modèlent le cadre de la vie des hommes, le but est au contraire d'enrichir et de complexifier la notion de détermination. Il s'agit de tenir compte de toutes ces représentations actives qui orientent l'action, bornent le champ des possibles par celui des pensables et délimitent le cadre des controverses et des conflits. Je fais pour cela mienne la formule de Michel de Certeau: les récits marchent devant les pratiques pour leur ouvrir un champ. Contrairement à l'histoire des idées, la matière de cette histoire du politique, que je qualifie de conceptuelle, ne peut donc se limiter à l'analyse et aux commentaires des grandes œuvres, même si celles-ci peuvent souvent être considérées à juste titre comme des moments cristallisant les questions qu'une époque se pose et les réponses qu'elle tente d'y apporter. Penser le politique et faire l'histoire vivante des représentations du vivre ensemble se superposent dans cette approche. C'est toujours dans les conditions de sa mise à l'épreuve que peut se déchiffrer le politique. Son histoire est d'abord pour cela attention au travail de ses antinomies, analyse de ses bords et de ses points de basculement, examen des déceptions et des désarrois qu'il suscite. Mon travail prend pour cette raison comme objet privilégié les inaccomplissements, les fractures, les tensions, les limites et les dénégations qui dessine l'image en creux de la démocratie. Le fond du politique ne se laisse en effet vraiment appréhender que dans ces moments et ces situations qui soulignent que la vie de la démocratie n'est pas celle de la confrontation à un modèle idéal, mais qu'elle est celle de l'exploration d'un problème à résoudre. J'ai déjà fait brièvement mention de quelques-unes des antinomies structurantes de la démocratie que j'ai eu l'occasion d'étudier. Je voudrais maintenant attirer l'attention sur une dimension essentielle qui ne me semble pas avoir été assez prise en compte, celle de la question des rapports de la démocratie au temps. L'étude du politique s'est en effet focalisée sur l'analyse des acteurs,
des procédures et des institutions en considérant le temps comme une variable essentiellement neutre, la durée. Si la démocratie définit un régime d'auto-institution du social, il me semble au contraire nécessaire d'appréhender le temps comme une variable active et constructive. La politique est en effet aussi mise en forme du temps social, simultanément marquée par le travail de la mémoire et par les impatiences de la volonté. Elle est enracinement et invention. Je souhaiterais, là encore, comprendre la démocratie à partir d'un examen de ses apories, en partant de la tension entre le temps ressource et le temps contrainte. La question est exemplairement posée dès la fin du XVIIIe siècle, dans le grand débat entre Edmund Burke et Thomas Paine sur le sens des droits de l'homme. Paine formule le programme moderne d'une émancipation radicale de la tradition lorsqu'il oppose aux vues de Burke, je le cite, « Il est impossible qu'il existe dans aucun temps ou dans aucun pays un parlement qui ait le droit de lier la postérité jusqu'à la consommation des siècles. Chaque siècle, chaque génération, continue-t-il, doit avoir la même liberté d'agir, dans tous les cas, que les siècles et les générations qui l'ont précédé. » L'affirmation de la volonté générale présuppose pour les révolutionnaires américains ou français une capacité permanente, au moins générationnelle, d'invention de l'avenir, de telle sorte que ce qu'une génération a librement choisi ne devienne pas pour les suivantes un destin inexorable. D'où le débat central des deux côtés de l'Atlantique au XVIIIe siècle sur le bon usage à faire d'un texte constitutionnel, afin qu'il ne prenne pas la forme de ce qui s'apparenterait à une précontrainte. Le problème est toujours vivant aujourd'hui, comme le montrent les termes dans lesquels continue d'être souvent abordée la question du caractère démocratique du contrôle de constitutionnalité. Toutes les démocraties ont ainsi fait leur les inquiétudes de Marx quand il se plaint que la tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. L'attirance pour le court terme que beaucoup déplorent aujourd'hui ne provient donc pas seulement d'une sorte d'accélération d'histoire artificiellement entretenue par les impatiences du monde médiatique. Il s'agit plutôt d'un phénomène structurel. Pour donner force sensible à la volonté générale, la démocratie est en effet constamment tentée de valoriser le caprice de l'instant, la formule est de Renan, qui s'impose en retour comme un maître destructeur. D'un autre côté, le droit, ressenti par tous comme une protection nécessaire, ne peut prendre forme qu'en introduisant une temporalité longue dans la vie commune. Il est aussi patent que nous vivons dans un monde dont la vitalité économique est liée à la capacité de planifier sur des périodes de plus en plus longues les interventions publiques, en matière de recherche entre autres, et dans lesquelles la prise en compte des problèmes d'environnement conduit à raisonner à des horizons incommensurables avec ceux des rythmes électoraux. Le temps de la démocratie apparaît ainsi susceptible d'un double déphasage, trop immédiat pour le souci du long terme, trop lent pour la gestion de l'urgence. Dans les deux cas, c'est la pertinence de l'idée de volonté générale qui se trouve interrogée. Cette tension des temporalités n'a cessé de s'approfondir et de nourrir tout un ensemble de perplexités et de conflits. Les positions peuvent osciller entre une vision radicalement instantanéiste de la démocratie, prête en conséquence à s'abîmer dans un pouvoir exécutif, qui s'autonomiserait par la force de l'exceptionnel, et une justification contraire du pouvoir des experts, estimé seul apte à représenter les intérêts sociaux sur le long terme, au nom de la connaissance qu'ils pourraient en avoir. L'histoire longue de ces conflits permettrait d'éclairer de nombreuses interrogations contemporaines. Elle ouvrirait aussi la voie à une appréhension renouvelée de la démocratie comme conjugaison des temps. Le sujet de la démocratie, voudrais-je montrer, doit en effet être compris comme un sujet indissociablement juridique, le peuple des électeurs citoyens, et historique, la nation qui lie la mémoire et la promesse d'un avenir partagé. Mais les formes de la démocratie entretiennent elles aussi un rapport à la pluralité des temps. À distance de toute approche univoque, qui se focaliserait notamment sur la seule procédure de la légitimation électorale, on pourrait s'attacher à souligner comment la perspective d'une complexification des formes de la souveraineté va nécessairement de pair avec la prise en compte et le traitement de la multiplicité des temporalités qui constituent l'expérience humaine. Ces différents aspects de l'indétermination démocratique, voudrais-je aussi souligner,
se prolonge par une crise permanente du langage politique. Ce sont en effet les notions essentielles, l'égalité, la citoyenneté, la souveraineté, le peuple, dont la définition fait problème. Cette panne des mots a significativement été ressentie comme dramatique pendant la Révolution française. Au moment où il lance avec Sieyès son journal d'instruction sociale, en 1793, Condorcet constate ainsi, je le cite, que l'altération du sens des mots en indique une dans les choses mêmes. L'un des observateurs les plus perspicaces de la Terreur peut aussi noter, à propos de Robespierre et de ses amis, qu'ils ôtèrent à tous les mots de la langue française leur véritable sens, tandis que Brissot s'emporte vivement de son côté contre ceux qu'il appelle les voleurs de noms. C'est pour cette raison que Camille Desmoulins, dans Le Vieux Cordelier, se fixe comme programme de faire de la liberté de la presse, avec la confrontation permanente des mots et des choses qu'elle implique, la clé de voûte de l'expérience démocratique. Le caractère de la République, souligne-t-il alors, c'est d'appeler les hommes et les choses par leur nom. Ce qu'on appelle l'idéologie est au contraire la manifestation la plus évidemment perverse d'un divorce calculé ou consenti entre les mots et les choses. L'idéologie revient en effet à nier et à dissimuler les contradictions du monde sous l'apparente cohérence des doctrines. Elle s'affranchit de la réalité en mettant en scène un ordre fantasmé et en instaurant un cours forcé de l'évidence. Le travail de l'historien est là encore de mettre à jour ces questions et ces tentatives pour saisir le mouvement de la démocratie en sa problématique qualification. C'est dans cette mesure que sa route peut d'ailleurs croiser ceux qui font métier d'explorer les mots et d'apprivoiser par la réalité et d'apprivoiser par le langage, pardon, une réalité opaque. Si la littérature et la poésie ont pour fonction de nous ouvrir par le tâtonnement des mots à la présence du monde, elles trouvent en effet une raison d'être accrue au milieu des incertitudes de l'âge démocratique. Le romancier comme le poète sont chacun à leur façon singulière des arpenteurs d'ambiguïté et des défricheurs de silence. Ils restent ouverts aux contradictions du monde et jamais ne laissent le concept épuiser la chair du réel. L'histoire du politique, comme la littérature, travaille ainsi de concert dans les interstices des sciences sociales. Elle participe d'un mouvement apparenté de déchiffrement. Je ne saurais d'ailleurs oublier la place qu'a eue l'écriture chez nombre d'historiens du XIXe siècle. Michelet étant celui qui a su le plus sensiblement dire par sa langue et son style ce que ses documents peinaient parfois à expliquer. Une histoire des apories, mais aussi une histoire des limites et des bords. C'est en effet dans ces moments de basculement, dans ces points de rebroussement, que la question de la démocratie est à chaque fois éclairée dans sa brutale nudité. D'Anna Arendt à Claude Lefort, tout un renouveau de la pensée du politique s'est ainsi opéré des années 1950 aux années 1970, à partir de la prise en compte du fait totalitaire. À distance des approches purement descriptives qui n'y voyaient que la résurgence aggravée des figures connues de la tyrannie ou de la dictature, l'originalité de ces auteurs a été de montrer que les régimes concernés devaient être compris comme des formes déréglées de la modernité démocratique, comme une sorte d'accomplissement négatif. On peut en effet analyser le fantasme actif d'un pouvoir absorbant pleinement la société qui caractérise le totalitarisme comme correspondant à une exacerbation utopique du principe représentatif, voulant artificiellement faire advenir d'un même mouvement une société parfaitement lisible en son unité et un pouvoir censé lui être complètement identifié, visant ainsi à résorber en son origine le fait même de l'écart entre le social et le politique. Le moteur de l'entreprise totalitaire dérive de cette prétention qui se prolonge en l'utopie de faire exister un pouvoir totalement confondu avec la société, absolument non dissocié d'elle. L'appréhension des limites du politique a ainsi essentiellement consisté jusqu'à présent à explorer les zones de tempête et de dérèglement dans lesquelles s'abîmait la démocratie. Cette exploration par les gouffres constitue d'en constituer une voie de compréhension privilégiée. Les recherches dans cette direction
doivent naturellement être poursuivis. Les événements nous y invitent de façon pressante. Et je compte bien y prendre ma part. Force est pourtant de constater que nous sommes aujourd'hui aussi confrontés à l'inverse, à une attrition et non plus seulement à une exacerbation du politique. Nous faisons l'épreuve d'une apparente dissolution et d'un effacement. Sentiment d'un déclin de la souveraineté, perception d'un effacement de la volonté et d'une montée parallèle en puissance des forces du droit ou du marché. Les frontières du gouvernement et de l'administration, de la gestion et de la politique sont du même coup devenues plus floues. Il faudrait bien sûr préciser ce diagnostic. Mais l'essentiel est de souligner qu'il nous faut dorénavant aussi aborder le politique en partant de ses zones grises, en considérant ses énergies faibles, ses dérives immobiles, ses décompositions discrètes. Les soubresauts du monde contemporain n'incitent cependant pas seulement à réfléchir les formes limites du politique. C'est aussi l'espace du politique qui est aujourd'hui soumis à de redoutables épreuves. Cette question est abordée depuis maintenant une vingtaine d'années par de multiples auteurs, partie du constat de la dissociation et la différenciation croissante des rapports de la puissance et du territoire, rapports autrefois noués dans la figure de l'État souverain. Ces travaux de sciences politiques ou juridiques sur la décomposition externe de la souveraineté et sa dissémination sont bien connus. Mais on n'a pas encore accordé assez d'attention à la tendance concomitante à la fragilisation interne des États-nations par affaiblissement du contrat social et rétrécissement des identités collectives. L'accélération des mouvements de sécession en constitue la manifestation la plus remarquable. Le nombre des États tend en effet à croître en même temps que les ressorts de cette multiplication changent dorénavant de nature. Les chiffres ici sont éloquents. Les 44 États de 1850 n'étaient devenus qu'une soixantaine à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les processus de décolonisation des années 1950 et 1960 et de décomposition de l'ensemble soviétique au sens large à partir de 1989 qui ont, jusqu'à présent, constitué le vecteur d'une formidable multiplication des États. Ceux-ci étaient au nombre de 118 dès 1963 et de 196 en 2000. Le mouvement se poursuit, on le sait, aiguisé dans bien des cas par des conflits ethniques et religieux. Les spécialistes des relations internationales se sont penchés avec leurs préoccupations propres sur ce phénomène. Mais il conviendrait aussi de l'analyser en faisant le lien entre ce processus de segmentation étatique et la dimension de sécession sociale qui semble maintenant jouer un rôle croissant. Nombre de ces déconstructions sont en effet dérivées d'un refus de certaines entités de continuer une vie commune, avec tout ce qu'est dernière impliqué en matière de redistribution pour gérer des différences acceptées. Ces mécanismes de rétraction du politique correspondent ainsi à une mise à l'épreuve des limites du contrat social dont il est urgent de prendre toute la mesure. Le phénomène décisif n'est pas toujours bien perçu. Le paradoxe est en effet que le déclin contemporain de l'État-nation comme forme sociale se dissimule derrière la multiplication des États-nations comme entité souveraine. Les conflits de répartition qui se résolvaient normalement dans des compromis sociaux internes se transforment ainsi, dans certains cas, en conflits d'identité qui s'externalisent pour découper des frontières. La logique autrefois agrégative de la conquête et de la défense des droits est devenue souvent ségrégative, en d'autres termes. L'éclosion actuelle des nationalismes témoigne du même coup d'un recul et non plus d'une diffusion du modèle historique de la nation. Aux nations, originellement constituées comme des universels réduits, se substituent de la sorte de plus en plus des nations restrictivement conçues comme des particularités agrandies. C'est un phénomène qu'il est urgent d'analyser avec précision si l'on veut tenter d'en conjurer les effets délétères. Les antinomies, les limites donc, mais aussi les déceptions. Il me semble encore nécessaire d'aborder la compréhension du politique sous un troisième mode, en explorant le phénomène de la déception démocratique. Toute une part des interrogations contemporaines se noue autour du diagnostic d'une disparition ressentie comme dangereuse. Déclin de la volonté, décomposition de la souveraineté
désagrégation des figures du collectif, etc. Ces interrogations, voudrais-je rappeler, ne sont nullement inédites, même si elles empruntent à chaque fois des formulations renouvelées. C'est d'abord dans l'impossibilité de dissocier le et la politique que prend sa source une certaine déception devant le régime moderne. Il n'est en effet jamais simple de séparer le noble du vulgaire, les petits calculs égoïstes et les grandes ambitions, le langage tranchant de la vérité et les roueries de la séduction et de la manipulation, l'attention au long terme et la soumission aux urgences. Si une frontière doit toujours être réfléchie et tracée, elle reste mobile et fluctuante, déterminée qu'elle est en partie par le prisme des intérêts voués aux divergences d'appréciation. Naît ainsi autour du politique une demande qui ne peut être satisfaite d'une certaine façon. Tout se passe comme s'il y avait en même temps trop et pas assez de politique, expression d'une attente et manifestation d'un rejet. Désir de politique avec l'aspiration à une maîtrise de la collectivité sur elle-même, avec le souhait de voir prendre forme une communauté dans laquelle il y a une place pour chacun, mais rejet des affrontements stériles et recherche simultanée d'un bonheur simplement privé. Nous ressentons en même temps une exaspération devant un trop-plein et une nostalgie devant ce que nous percevons comme un déclin. La politique apparaît simultanément pour nous comme une sorte de résidu gênant qu'il faudrait idéalement éliminer et comme une dimension tragiquement manquante, une grandeur qui fait cruellement défaut. Je m'emploierai à retracer l'histoire de cette déception, ainsi que celle des tentatives pour la surmonter, la recherche des politiques rationnelles d'un côté et l'exaltation des cultures du volontarisme de l'autre. Le propos est là de penser la démocratie en partant d'une analyse du sentiment de son absence. De Roederer à Auguste Comte, d'Auguste Julien à Saint-Simon, on voit ainsi se formuler, dans le premier quart du XIXe siècle, la perspective d'un programme, d'une science sociale, d'une science de l'ordre ou d'une politique positive qui vise à passer d'un difficile gouvernement des hommes à une supposée paisible administration des choses. À l'inverse de ces utopies scientistes d'un refroidissement radical du politique, instaurant sa dissolution en un aboutissement désirable, ce sont aussi, périodiquement exprimées, des aspirations à son exaltation sous les espèces de toute une série de cultes de la volonté. L'histoire de ces cycles reste à entreprendre. Cette histoire a une dimension que l'on peut indéniablement qualifier de sociale. Les souvenirs de la terreur ont ainsi surdéterminé l'horizon mental de tous ceux qui aspiraient, après Thermidor, à un gouvernement impersonnel de la raison. À l'inverse, c'est l'étroitesse et l'irrésolution d'un régime routinier qui a nourri les appels à un volontarisme créateur un demi-siècle plus tard, en 1848. Mais on ne peut se contenter de cette approche. Il faut aussi montrer que la déception naît de la difficulté de faire vivre dans la réalité quotidienne l'idéal démocratique. Ce dernier n'a cessé d'être ballotté entre la peur du conflit et l'angoisse de son absence, entre l'aspiration à l'autonomie individuelle et la quête d'une participation au collectif. Les interrogations contemporaines sur la dissolution du politique ne seraient de la sorte pas seulement appréhendées à partir de l'analyse que nous avons trop brièvement évoquée des formes de dissémination et de recomposition de la souveraineté. Elles seraient également réinscrites dans une histoire continue du désenchantement démocratique, histoire qui n'est elle-même peut-être que l'autre face d'une histoire de la haine de la démocratie, haine qui s'avance souvent masquée en ne prétendant vouer hégémonie que sa forme dite libérale ou bourgeoise. Ce serait, si l'on veut, tenter d'écrire une histoire négative de la démocratie. Cette tâche d'une histoire du politique prend toute son importance en cette tour du troisième millénaire, au moment où nous ressentons avec une inquiétude accrue que l'histoire nous mord à la nuque, pour reprendre une célèbre formule. Il nous suffira ici, pour faire brièvement image, d'évoquer les conditions dans lesquelles la globalisation économique modifie l'espace de la démocratie et rend plus difficile la recherche de l'intérêt général, de constater l'avènement d'un univers dans lequel des formes de gouvernance éclatées et disséminées se substituent de plus en plus
un exercice lisible et responsable de la souveraineté. De mentionner aussi les perturbations causées par la pression du temps médiatique. De rappeler encore les conflits liés à la crispation des identités nationales ou d'évoquer les problèmes posés par l'entrée dans un univers où s'affirme chaque jour davantage le poids de puissances aussi insaisissables que terriblement menaçantes. C'est autour d'interrogations pressantes de cette nature que s'organisent aujourd'hui nombre de recherches dans les sciences sociales. L'histoire du politique, telle que j'ai essayé d'en définir les contours, peut, me semble-t-il, apporter une compréhension spécifique à la compréhension de ces questions en les restituant dans une perspective longue et élargie. Elle doit aussi permettre de surmonter les tensions, les tentations, aujourd'hui si répandues, de se réfugier dans la position d'un retrait désabusé. En matière de science, notait Marcel Mauss, on ne saurait aller trop lentement. En matière de pratique, on ne peut attendre. Je n'ai garde d'oublier que cette distinction ne saurait être abolie sans dommage. D'autant qu'effort, dès lors que l'on traite de problèmes contemporains universellement débattus, le risque de voir s'effacer la différence entre le travail patient et le commentaire hâtif, entre la science et l'opinion en un mot. Mais l'histoire moderne et contemporaine du politique ne saurait se mettre à l'écart et se renfermer dans une enceinte préservée car inaccessible au mouvement de la vie. Son ambition est au contraire de descendre dans l'arène civique et d'y apporter un supplément d'intelligibilité, un surcroît de lucidité. Elle se doit de proposer une lecture critique et sereine du monde, là où domine trop souvent la clameur des passions, la versatilité des opinions et le confort des idéologies. Le travail scientifique le plus rigoureux et les acquis les plus patients de l'érudition participent donc là directement de l'activité citoyenne. Ils naissent de la confrontation à l'événement et y restent liés. Je souhaite m'inscrire dans cette mesure, avec modestie mais avec la plus ferme détermination, dans la lignée de tous les savants qui furent ici aussi par leurs œuvres d'infatigables citoyens et qui n'eurent de cesse de marier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté, pour reprendre une formule de Romain Rolland, popularisée par Gramsci, qui a autrefois servi de guide à toute une partie de ma génération. Réfléchissant sur la spécificité des cours qui se donnent dans ces murs, Michelet notait, je le cite, « Ce n'est point un enseignement à proprement parler. C'est, par devant le public, l'examen des hautes questions. On n'y parle point à des élèves, mais à des égaux. » Il y a probablement une part d'illusion dans cette approche du cours public, qui n'est d'ailleurs pas également concevable pour les différentes disciplines. Mais elle correspond pourtant à une vision salubre de l'épreuve particulière que constitue le type de parole qui se risque dans ces murs. C'est d'ailleurs peut-être dans cette épreuve que se trouve le ressort de la joie que je mentionnais au début de cette leçon, sans pouvoir encore la définir. Participer ici même d'une utopie savante qu'il importe d'entretenir pour faire vivre la cité. Je vous remercie de votre attention.